Eh bien, bonjour tout le monde, on se trouve pour la 14e étape de 209 km. Donc c'est une étape, excusez-moi, assez longue qui va se dérouler sur le Giro, comme d'habitude, un pro cycliste. Donc j'espère que vous allez bien. Donc on est toujours dans le thème des une vidéo par semaine. Donc c'est une étape vraiment, vraiment, vraiment longue et dure. Donc on va gérer ça, on a de la chance, on a un plus 3 aujourd'hui les gars. Chute collective. Les coureurs n'ont pas l'air trop touchés. Tout à l'heure, il y a eu une grosse chute avec Nibali et Les tout. coureurs franchissent un passage délicat avec Donc un pourcentage supérieur là, on a la BMC qui est bien présente. J'espère que bon, elle tiendra pas le coup, à mon avis, jusqu'au bout, jusque là-bas. Mais donc là, c'est une arrivée. Vous voyez l'arrivée tout au bout. Ils disent qu'il y a 500 mètres à 19% de moyenne. Donc ce sera une arrivée pour les punchers. Enfin, pour nous aussi, mais surtout pour les punchers. Donc il y aura sûrement Quintana, Sam Omen. Vous retrouverez tous ces gens-là à l'arrivée. Il y aura, comment il s'appelle, Mentiès avec nous lui. annonce une chute. Voilà, donc là on est parti. Je vais faire du plus sûrement. Là il y a encore. Donc c'est tout à l'heure, ils avaient 17 minutes d'avance sur nous, l'échappée. C'est énorme, 17 minutes. L'échappée Donc du Giro là, convient pas à le tout le monde. peloton, il est pas trop Le groupe content. a largement augmenté son rythme. Du coup, on accélère comme des fous. Sauf que c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller, les gars, mais bon. Tant pis. Là, dans la descente, ça va, je peux récupérer les bidons. On va demander à Brown qu'il y aille. Il se débrouille bien à monter, donc ça va. C'est pas à moi à rouler, les gars. C'est pas à moi à rouler. Hein. Tu vas te mettre derrière Quintana et tu seras très bien. Voilà. Oh, Barguil. Pouah, ça me dégoûte de voir Barguil au service de. Pouah. Simon Yates et Barguil au service de Quintana. Tu m'étonnes qu'il est maillot. Qu'il est maillot. Du maillot. Maillot rose. C'est sûr, mec. Je pense que devant, y a du monde important, hein, sûrement. 21 minutes. Atapuma, 30, 20 minutes. Luke, 39 minutes. Brambilla, 17 minutes. Ça, c'est un peu plus important. Féline. Féline, il est à 12 minutes. Ellison, 20 minutes. Parthémy, 1 heure. Knog, pardon. Je sais pas trop comment ça se prononce. Il a 19 minutes. Plus dangereux, je crois que c'est Féline. Hein. Ouais, 12 minutes. Hein. Ouais, c'est chaud. Bon, non, encore. Enfin, moi, pour l'instant, c'est sûr que si, comme on avait dit, si on pouvait finir maillot rose, ce serait pas mal. Mais pour l'instant, on se concentre sur déjà grappiller du. Aujourd'hui, si j'arrive à grappiller des places sur le maillot blanc, ce sera Il y pas aura mal. une Mais attaque aujourd'hui, je pense complémentaire. pas. C'est pas une arrivée en côte dure, donc ce sera pas moi qui arrivera à faire un truc. On arrivera en peloton. Enfin, un peloton. On arrivera en groupe, mais pas. J'arriverai pas tout seul. Une arrivée là, une arrivée sur ça, On sur deuxième attaque la catégorie, ouais, descente. ça aurait pu se Les faire. coureurs vont pouvoir récupérer. Ouais, les bidons, c'est fait. Mon équipe, elle est un peu chaud. Ouais, c'est Tina et Ulysses, des merdes toujours comme d'habitude, là, ils sont bons. 6 minutes 23. Allez, on est parti. J'espère que vous aimez bien le concept d'Emeric. Donc, il a essayé de faire une équipe un peu française, mais c'est bien, franchement, ce qu'il a fait. Ça changerait un petit peu. Ça vous fera un pro cycliste. Le rythme imposé Moi, en est fait, ce vraiment sera une fort. vidéo tous les Il est jours. impossible de sortir du peloton à cette Quand il y vitesse. aura des Les grands chutes tours. envoyées plusieurs fois Après, au groupe, l'espoir de finir par quand il y intégrer. aura des courses normales, je vous mettrai deux vidéos dans la semaine pro cycliste où je vous Radio-Tour ferai nous un a annoncé résumé. une chute, mais le Ça fait que coureur semble chuter, on est en légèrement montée, les gars. imbibé. Enfin, Un coureur vient de percer. Espérons qu'il sera rapidement dépanné. j'ai remarqué un bug, les gars. Vous voyez, là, on est dans un petit peloton. Il y a une cassure. Et il y a marqué 42 ici. Et pour les échapper, il y a marqué 1-1. Ah non, 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 ouais, non, c'est normal. C'est parce que lui, il est tout seul. Lui, il est tout seul. D'accord, ok. Excusez-moi, c'est moi. C'est moi. Ah, attendez, parce que à chaque vidéo, en fait, chaque fois que je démarre le jeu, ça me met ces trucs de merde. Et ça m'énerve.
Faudrait que j'y pense à chaque vidéo, ça me sauvegarde pas à chaque fois. À moins que ce soit moi qui fasse une petite erreur. Non, il n'y a pas. Bon, bah, écoutez, on le fera à chaque vidéo. Donc là, mon plus 3, il va être bénéfique. Hein. Ah ouais, ça c'est bon pour le. Ah, accélération, je prends 78. Ça c'est bien. Et vallon. Bon, montagne toujours 86, là c'est un truc extraordinaire. Et vallon, je me mets à 79. Ça va être bien pour le. Pour l'arrivée, parce que regardez, Sam Woman il est à 79, Mentiès bon 81 et Quintana 81, donc je serai à peu près pareil qu'eux à un point près ou deux, mais bon, j'aurai plus de points qu'eux en montagne, ça c'est sûr. Là, on va tomber sur une côte qui est bien hard, on va bientôt rattraper l'échappée numéro 4, il est juste ici. C'est le bon. Donc, objectif pour le Tour de France qui va suivre le Giro, ça va être le meilleur jeune, bien sûr. J'espère qu'on sera en forme. Hein. Parce que il n'y a pas que Sam Woman, vous le connaissez pas, mais il y a George, je sais plus comment, George Artu, ou je sais pas quoi. Et lui, il est bon aussi. Donc, je pense que s'il n'a pas fait Giro, c'est parce qu'il va arriver en forme pour le Tour de France. Donc, voilà, si je gagne le Giro, enfin, si je gagne. Alors moi, je vais galérer un petit peu pour le Tour de France, mais j'aimerais prendre le maillot de mes jeunes sur le Tour de France. Et en même temps, porter le maillot de champion de France, ce serait pas mal. Faudra voir. Et pour l'année prochaine, je pense qu'on visera les championnats du monde. Au moins essayer. Après, on verra. Là, pour l'instant, on est bien. J'ai personne presque qui peut. Brown va me chercher les bidons, parce que t'es un petit peu fatigué. Voilà, comme ça va te permettre de récupérer, mais pour remonter, tu vas en galère, mec. On vient d'assister à une chute massive. Oh, que clair, oh ouais, chaud. Attendez voir. Il est tout seul. Le 3, le 4. On devait pas rattraper le banc, là, ou je sais pas quoi. On l'a rattrapé. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. 1, 2, 3. Ils sont 3. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Ah, ils s'en foutent du maillot de meilleur. Ah, ils s'en battent les reins. Moi, voir le classement. Chaque 47. Oh, Fabio Féline. Je sais pas où il est lui, mais. Fabio Féline. Merde, il était en dimension data. Dimension data. Dimension data. Fabio Féline. Et attaque. Attaque, 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 attaque. Nouvelle attaque en tête de la course. Ah bah oui, il y a Mentiès qui va, donc forcément Sam Woman il y va. Ouf. Désolé, c'est Emric. Désolé. Oh les gars, il y a Mentiès qui va. Parce que je pense qu'il y a des points à grappiller. C'est pour ça. Ah ouais, ils sont 3, 4. Ils sont 3 et 4. 4, 4, 4. Ouais, on s'en fout du meilleur grimpeur au pire. J'ai envie de vous dire. On va peut-être essayer de grappiller quelques petites places. Je sais pas combien de points on a pris, peut-être qu'on en a pas pris les gars. Ouais, non, j'ai fait de la merde parce que je n'ai pas pris. Par contre, au niveau de ça, Moment, ça part. Début de la descente. Les coureurs peuvent respirer, mais doivent rester vigilants. Ouais, ça, Moment qui part. Hein. Mais moi, je les rattrape tranquillement. Je le rattrape à mon aise, les gars. Mais bon, il a fait le trou quand même dans la descente. Qu'on va rattraper ça. Moi, je suis pas d'accord quand il y a Sam Woman qui part. Hein? Petit deuxième au classement des générales des jeunes. Hein? Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on avait dit, mec. Voilà. J'aime pas trop quand vous partez, les gars.
Bien sûr, je ne vais pas collaborer, hein. Pas que ça a foutre, les gars. J'ai fait ça pour rien parce qu'on revient quand même, mais bon, j'ai pas envie de laisser une chance à ce petit Sam Woman qui si monsieur aurait pu, se serait barré, je pense. Ah, bah, qu'est-ce que je disais? Ben, elle arrive à prendre son putain de maillot. Ah ben, ah merde, c'est Romain Le Hardy. Ah les boules. Bon ben, j'ai plus de jus. Ah, ils m'ont fait mal, eux. Romain Le Hardy, champion de France. Mais tu putes un peu, non? Nickel, Landa. Une échappée est en train de se créer. Ah putain, ça fait que partir. Pourquoi tu pars, Landa? Tu fais mal à tout le monde, mec. Les gars, je crois que ça va mal se passer pour moi. Je sais pas si vous avez vu ma barre. Ouais, c'est un moment qui me contre. C'est normal. Ah, ils se disputent pour les points montagne, je crois, les gars. Ça, c'est Pinot, c'est pas important. Au classement, on s'en branle. Voilà, on va rester avec Quintana et Sam Woman. Quintana, il a encore un coéquipier. Moi, j'ai Cetina. Cetina, je peux pas le contrôler. Il a l'air en forme quand même, Sam Woman, aujourd'hui. Il a l'air vraiment en forme. 19 km de l'arrivée. J'ai repris toutes mes. Oh, attaque de Mikel Landa. Donc, qui veut dire attaque de Mikel Landa? Ça Qui veut s'agit dire d'un attaque de moment. Mentiès? Qui veut dire attaque de Sam Woman? Ok, j'ai compris. On va prendre la route Sam Woman pour éviter de trop se Les fatiguer. visages se crispent à l'arrière du peloton. On ne compte plus les lâcher. Et. Au contre, à l'instant, Tiens, depuis tout à 20 km l'heure. de l'arrière. Allez, attaque de Mentiès. Contré par Gabriel Gasca, puis Quintana. Lol, je suis mort, moi. Lol, je suis mort. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. J'en ai rien à foutre des ponts montagnes. Thibaut Pinot parti en contre-attaque maintenant. Cette descente va permettre aux coureurs de récupérer quelque peu de leurs efforts. Ils sont chauds quand même en descente. Moi je me repose, les gars, je me repose. On se cale dans les roues, on essaie de prendre au maximum de. Voilà. On n'est pas bien dans leur roue là avec Pinot, Mentiès et. Là ça va être une arrivée avec eux. Hein. Pinot, Mentiès, Omen, Quintana. Ouais, ça va être une arrivée avec eux, les gars. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. Sam Woman, j'en ai peur parce qu'aujourd'hui il a l'air d'avoir une forme de bâtard. Donc si je pouvais juste ne pas perdre 2 secondes par rapport à lui, ce serait nickel. 7 km de l'arrivée. Ça... Oh, ça Oh sort. là là là, mais quelle chute spectaculaire! Pinot qui Attaque de sort. Pinot! Je pense que c'est Pinot qui va aller l'emporter. Il n'y a personne qui veut y aller. C'est Pinot qui va aller l'emporter. Si je sors, tout le monde va me suivre. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Attention, une attaque à l'avant! Ça peut aller au bout! Ouais, ça me suit, 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 ça me suit. Mais là, on fait les fous, vous voyez, on accélère en descente. Vous voyez un petit peu quand on fait les foufous. Contre de Kelderman. On fait les foufous comme ça, et on va arriver. Ça va monter à 19%. Et tous les mauvais grimpeurs là, ben, ils vont pas comprendre, les gars. Écoutez, vous voyez là, la petite attaque de Sam Woman, je la sens bien. Voilà, je la sentais. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Ben, je la sentais, mec, je la sentais. Arrête un petit peu, s'il te plaît, arrête. Tu vois, je la voyais venir, mais gros comme une maison, mec.
Oh, dommage. J'ai pas sprinté assez tôt. Ah, mais il reprend les modifs, ce bâtard. Je crois qu'il reprend les modifs. Je crois qu'il reprend les modifs, les gars. Il finit 3ème, ce bâtard. Ah, putain, s'il reprend les modifs, là, il sera plus qu'à 26, 27 secondes de moins. Parce que chaque fois, il prend les modifs. Et au début, il était à 34 secondes, je crois. Là, maintenant, il est à 30. Putain. On a fait une bonne étape. Il aurait peut-être pu accélérer avant parce que j'avais de la barre encore. Mais bon. Il devait avoir une bonne forme, lui aussi. D'habitude, il n'est pas comme ça, je peux te le dire, mon gars. Il devait avoir une bonne forme, ce bâtard. Allez, normalement, c'est bon. Résultat. Ouais, c'est dommage. Hein. J'étais dans sa roue, mais c'était trop tard. J'aurais pu accélérer avant. Ah, pardon. Ah, j'ai cru. J'ai cru que j'avais pris 26 secondes, les gars. Ah, je suis repassé deuxième. Ça, c'est bon à savoir, ça. Avec 56 secondes, les gars. On se rapproche, hein. Ah, ben, Sam Oumen qui prend le maillot. Le maillot de Nasser Bouhanni. Bon, au moins, il partira pas les mains vides. Vous voyez, 26 secondes, il m'a repris du temps. Bon, bref, on va regarder la course qui arrive. 31 victoires en palmarès, on va voir. On va être à la 15e course, je crois. On arrive bientôt. Hein. Oh, ça va être une étape importante. Ouah, si je me prends des secondes, je suis mort, les gars. Bon, les gars, on se retrouve juste après pour le... On se retrouve demain pour le contre-la-montre. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker tout le tralala. Sur ce, je vous dis ciao les gars. Allez, bye.